كديرها شريعة شي جميل. واش برا صافا؟ احنا اخي كنرسموا في الحيط، نرسموا لي فريسك. عاد جيريمي صاحبنا جاي من فرنسا، باقي شي رسومات حدا اخرين، باغي نوريو. يلا Bienvenue à Essaouira, anciennement appelée Mogador par les Portugais, cette ville portuaire du Maroc, berceau de la culture berbère, nous a offert avec l'association Couleur une multitude de rencontres, notamment à travers notre projet d'art solidaire Bzaf Diwan. Suivez-nous dans notre aventure. Oui, donc l'idée que Jérémy me rejoint ici à Essaouira en faisant des fresques avec des enfants et même des adultes, d'autres artistes qui ont participé à l'activité, c'est franchement, c'est super. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur un autre horizon. Donc là, on est sur le quartier de Borella. C'est un quartier avec une mosquée, c'est assez symbolique. Borella, ça veut dire la lagune. Et là, on a eu un endroit qu'on a eu avec l'association Mogador d'Arsouiri. Et là, avec Abdelaziz, quelques enfants, on a fait un mur qui reprend le nom du quartier Tafouk. Mais Tafouk, ça veut dire aussi le symbole de la joie, de l'amour. Et donc, tout le monde est content après de voir cette fresque finalement finie. Et donc pour ce projet, comme tous nos projets qui sont participatifs, le côté global et plutôt général de ce projet qui est intéressant, c'est qu'on a fait intervenir alors des enfants dans les quartiers où on a peint. On a fait aussi intervenir des artistes, comme à la Joutia par exemple. Alors, on est là à la Joutia. C'est ce qu'on appelle aussi la ferraille. En français. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est un espace où il y a de l'histoire. Tatorville, le projet que tu as monté il y a une vingtaine d'années, tu disais, c'est ça? Ouais, ça a commencé il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans. Et ici à la Joutia, une quinzaine d'années. Oh, la lunette ronde et carrée, là, c'est ça aussi. Mais ça, c'est le signe de reconnaissance des flatteurs, des bâtisseurs du village. Et on a fait des interventions à la fois dans une école, une association qui s'appelle Betty. Parce que quand j'ai vu les enfants qui étaient en train de peindre cette fresque, ils étaient tous là, ils étaient enthousiastes et ils s'entraidaient. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et merci beaucoup pour Association Couleur. À Diabat, là, et on fait un mur avec une baleine. Thème marin sur un mur du village. Il y a des enfants qui attendent de peindre. Faisant des fresques avec les enfants, c'est vraiment. Ça m'a ouvert aussi les portes que cette activité soit pas là seulement, mais ça va continuer dans le futur. Puis les enfants, tout à l'heure, on va les faire peindre un petit peu. On a mis des formes en place là pour qu'ils puissent. Tester la bombe, si c'est pas le genre de choses qu'ils ont l'habitude de faire. C'est une fresque un peu surréalistique. Il y a l'idée de le sion et aussi la baleine. Mais la baleine, en fait, les gens me demandent pourquoi la baleine, mais pour moi, c'est juste ce que... quand on voit une baleine, on a l'impression que la baleine, c'est aussi un rappel, une mémoire de se sentir chez toi. C'est une maison, c'est une île, c'est un créateur qui est un creature. Du coup, on se fait un petit plaisir, la peinture à la bombe, c'est très rapide. Il y a un peu de vent, donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on s'éclate bien. Aziz, on fait pas souvent, il est super à l'aise. La ville d'Essaouira, c'est aussi une ville qui... je peux dire que c'est pas complètement marocain, c'est mondial. Parce qu'on a l'impression de vraiment rien ne manque ici au niveau de vibe, d'énergie, des gens qui viennent souvent. C'est toujours il y a des choses nouvelles et toute cette atmosphère qui me fait sentir que je suis chez moi. Hassania 2 est privilégié. Cette semaine de vous avoir et aussi merci à Darsouiri parce que c'est grâce à eux que vous êtes là aussi.
à chaque peinture, chaque projet, que ça soit différent et que ça nous inspire, voilà, pour aller sur de nouveaux territoires, de nouvelles choses. C'est ce qui est important dans la création artistique aussi. Pouvoir faire participer nos élèves à réaliser cette grande fresque et aussi le cours d'aujourd'hui qui était très intéressant sur le cyanotype. Un procédé photo qui agit avec la lumière, qui permet de faire des petites compositions avec les enfants assez rapidement et d'avoir un rendu dans des gammes de bleu. Les enfants étaient plutôt attentifs parce que c'était déjà des enfants qui sont en classe d'art plastique. Donc ils ont posé pas mal de questions et ils étaient bien, bien intéressés par l'atelier. Donc par rapport à ce que vous avez fait avec nous, donc, je ne sais pas comment, je suis vraiment ému parce que quand j'ai vu ce qui a été fait avec ces enfants, parce que nous aussi nous utilisons la peinture, l'art, etc. comme support pédagogique, justement pour véhiculer les valeurs de la solidarité, les valeurs de... Vraiment, ça vient renforcer notre programme, ça vient renforcer notre approche. Ce projet nous a permis de découvrir une nouvelle manière d'intervenir, ce qui va nous inspirer pour nos prochains projets, nos futures collaborations qu'on va faire en France et à l'étranger avec d'autres artistes. Et comme on aime faire ça aussi avec l'association Couleurs, c'est aussi sortir de sa zone de confort et pas forcément faire des choses qu'on a l'habitude de faire. L'idée, c'est à chaque peinture, chaque projet, que ça soit différent et que ça nous inspire, voilà, pour aller sur de nouveaux territoires, de nouvelles choses. C'est ce qui est important dans la création artistique aussi.